Alors Richard. Très bien. Pourquoi on est là, Richard, là ? Ben, on est là pour parler du Roquefort Trail qui va être support du championnat régional de trail. Alors attends, on va déjà poser les choses. Parce que le Roquefort Trail, cette édition-là, elle coche un peu toutes les cases. Oui. Il est. Alors déjà, c'est une épreuve. La distance, c'est combien ? Alors, c'est 27 km 900 avec 870 mètres de dénivelé positif. Donc, il est classé, c'est un vrai trail court. Il est classé trail court. Voilà. Tout à fait. Ensuite, il est labellisé. Il est labellisé. Donc, cette année, on a un label argent, ex-label national, puisque les appellations ont changé. Donc, maintenant, national, c'est label argent. Il est qualificatif au championnat de France de trail de 2025. Il est support du championnat régional de trail et il est également aussi au... Et alors il compte pour le challenge des trails de Provence. Le challenge des trails de Provence. Salut Philippe Exposito. Voilà. Et il compte pour le challenge national de trail de la Ligue. C'est également. Ça, il fait partie des 12 trails sélectionnés dans ce challenge. Ça c'est les challenges nationaux. Et plus localement, on a le trophée Crédit Mutuel, challenge de la Ligue. Il compte également pour le challenge de la Ligue. Bon ben, t'as coché toutes les cases. Ouais, je croyais qu'on peut faire difficilement plus. Ouais. Donc il y aura sûrement du monde. Donc les amis, inscrivez-vous bien à l'avance. Oui, parce que l'année dernière on était complet assez rapidement. Donc les dossards sont limités, donc il ne faut pas attendre si vous voulez vous inscrire. La petite. Alors, pour les championnats régionaux, on va rappeler quand même à nos licenciés compétition, nos licenciés de la Ligue, compétition. Pour eux, l'inscription est gratuite. L'inscription est gratuite, tout à fait. Ils doivent passer par le site, enfin leur club doit les inscrire sur le site de la Ligue. Et la gratuité pour les licenciés compétition FFA. Alors la petite nuance, c'est que d'habitude, quand vous vous inscrivez sur le Roquefort Trail, vous aviez dans le prix du dossard, dans le prix de l'engagement, vous aviez le dossard, le repas, le t-shirt. C'est ça. Là, en fait, quand vous vous inscrivez sur le championnat régional, vous vous engagez gratuitement, parce que vous êtes licencié compétition, sur la course, sur l'épreuve. Par contre, si vous voulez le repas et si vous voulez le t-shirt, comment ils font ? Alors, ceux qui seront participants du championnat régional, donc qui auront eu la gratuité pour l'inscription, s'ils souhaitent avoir le repas à l'arrivée, et le t-shirt également, ou l'un ou l'autre, ce sera 10 euros le t-shirt et 10 euros le repas qu'on pourra, on pourra s'inscrire sur place et acheter le t-shirt sur place le jour même. Donc il n'y a pas besoin de réservation à l'avance, tu prévoiras assez de repas, assez de bière, assez de ça. Il y aura des victuailles pour tout le monde à l'arrivée. Bon, très bien. Écoute, merci à toi Richard. De rien, et puis au 2 novembre. C'est ça.